يقول عبد الواحد ابن عشيري مبتدئا باسم الإله القدير. الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alors on va voir بإذن الله تبارك وتعالى وبالله التوفيق comment accomplissait le prophète عليه الصلاة والسلام la prière. Alors aujourd'hui malheureusement des personnes relaient sur les réseaux sociaux la soi-disant prière du prophète alayhi salatu wassalam, en prétendant que c'est seulement ce type de prière que le prophète alayhi salatu wassalam a accompli, et donc on en déduit que celui qui accomplit une prière d'une autre manière que celle décrite par certains, eh bien il n'a pas fait la prière qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam, mais il aurait fait la prière qu'a fait X ou Y ou je ne sais qui, malheureusement. Alors moi, quand je vous dis qu'on va voir comment accomplissait la prière le prophète alayhi salatu wassalam, vous allez voir que je vais vous détailler quelque part, sans rentrer trop dans les détails bien sûr, mais quelques obligations ou actes obligatoires dans la prière, quelques sunan dans la prière et quelques mendoubet dans la prière, et ici en vous rappelant les divergences qu'il y a au sein des gens de science, afin de vous rappeler que le prophète alayhi salatu wassalam a pu faire la prière de différentes manières ici, ou alors faire certains actes de différentes manières. Et cela ne veut pas dire que le prophète alayhi salatu wassalam, quand on dit la prière qu'a accompli le prophète alayhi salatu wassalam, que la prière qu'a accompli le prophète alayhi salatu wassalam était une manière bien définie, prescrite, et qu'il n'y avait aucunement de divergence tolérée concernant la prière du prophète alayhi salatu wassalam. Alors quand on parle de la prière du prophète alayhi salatu wassalam, ou bien la prière en islam, eh bien il faut savoir que la prière comporte des obligations, des actes obligatoires. Elle comporte des sunan. C'est dans le madhhab de l'imam Malik rahmatullahi alayhi, bien on comprend par sunan ce qui est recommandé avec insistance, et il y a al-mandoubat, ce qui est mandoub, c'est-à-dire c'est ce qui a été recommandé par le prophète alayhi salatu wassalam sans insistance. Alors, vous m'avez compris, la prière que je vais vous décrire ici, eh bien, c'est la prière ici qui est basée, ou les caractéristiques, la description de la prière qui est basée particulièrement sur le madhhab, l'école de l'imam Malik rahmatullahi alayhi, pour garder une cohérence toujours dans notre pratique et ne pas s'éparpiller bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Alors, il faut savoir que Hudhayfa radiyallahu anhu arda a dit « Iyakum wa khushu' al-nifaq » Méfiez-vous de l'humilité, la dévotion, la concentration hypocrite. Ils ont dit wa ma khushu' an-nifaq. Et qu'est-ce que c'est que l'humilité, la concentration hypocrite? Et il dit radiyallahu anhu arda an tara al-jasad khashi'a. C'est de voir les membres, eh bien on voit une certaine concentration, dévotion, humilité à travers les membres de la personne quand il prie. Wal qalbu laysa bi khashi'. Alors que le cœur n'est pas humilié, n'est pas concentré. Alors, cela nous rappelle que ce qui nous importe le plus, c'est de prier avec le cœur, d'être concentré, avoir cette humiliation dans la prière et faire un effort intérieur. Malheureusement, aujourd'hui, on a basé plus les choses ou la prière ici à travers un aspect extérieur qu'intérieur. Alors, l'aspect extérieur, il ne faut pas le rejeter, c'est ce qu'on va voir. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, la plupart des polémiques, parce que quelquefois et souvent, c'est des polémiques, et des paroles et quelquefois même des disputes qui interviennent au sein des gens de la communauté musulmane pour la prière, ça concerne des actes. Alors tenez-vous bien qu'ils ne font même pas partie des obligations de la prière, ni des sunan, c'est-à-dire une sunna recommandée avec insistance, mais des mandoubet, si on prend ici le madhhab de l'imam Malik rahmatullahi alayhi et la description de la prière du prophète d'après l'école juridique de l'imam Malik rahimahullahu ta'ala, c'est-à-dire des recommandations, des choses, des actes qui ne sont recommandés, qui sont certes recommandés mais sans insistance.
Mais ce qui est important, l'humilité dont Allah tabaraka wa ta'ala a parlé quand il dit qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, certes ont réussi les croyants qui sont humbles, qui sont concentrés dans leur prière, et bien la concentration on la met de côté parce que c'est pas ce qui est apparent malheureusement. Donc on ne rejette pas l'aspect extérieur, les actes pratiques extérieurs, mais ce qui est très important c'est la spiritualité, c'est-à-dire l'humilité et la concentration pendant la prière. Alors on va voir avant tout, incha'Allah ta'ala, ici, comment on doit se positionner debout. Alors au fur et à mesure, eh bien ici je vais mettre en pratique tout ce qu'on a vu en théorie dans de nombreux cours. Donc je vais bien sûr récapituler, je ne vais pas re-rentrer trop dans les détails, mais je vais donner certains détails quand même. Et je vais au fur et à mesure vous dire, ça fait partie des obligations, ça fait partie des sunan. Ça fait partie des mendoubet. On s'est compris. Une obligation, eh bien, on ne peut pas la délaisser. Celui qui délaisse volontairement, en général, une obligation dans la prière, sa prière est nulle. As-sunan, c'est les choses qui sont recommandées avec insistance. Celui qui délaisse une sunna dans la prière, retenez ça pour vous retrouver bien dans la prière, une sunna dans la prière, même s'il la laisse volontairement, sa prière est nulle ou pas, elle reste valide. Lakin, s'il délaisse deux sunna volontairement dans la prière, certains savants ont dit qu'elle est batila. Et parmi eux, Ibn Rushd, rahimahullah ta'ala al-Maliki, il dit celui qui laisse deux sunnah volontairement dans la prière, sa prière est nulle. Lakin al-Mashhur, ce qui est prépondérant et la référence, la parole référente dans le madhab de l'imam Malik, même s'il laisse deux sunnah volontairement, sa prière reste valide. Et al-Mandoubat, alors al-Mandoubat, vous m'avez compris, c'est ce qui est recommandé sans insistance. Alors, ça va de soi, a fortiori, celui qui délaisse, même volontairement, des mendoubet, des choses qui sont mendoub, qui est considérées comme mendoub, recommandées sans insistance, eh bien, sa prière, elle est valide. Et vous allez voir que la plupart des polémiques, eh bien, concernent le mendoubet, malheureusement. Et ça, c'est dû souvent à un manque de science aussi. Alors, il faut savoir, quand on parle d'une sunna, al-fuqaha ont dit que c'était ma adharahu alayhi, ma fa'alahu alayhi salatu wassalam. C'est ce que le prophète a fait. Et il l'a montré ouvertement devant des compagnons, devant un groupe. Et il a fait cette chose-là ouvertement, mais de manière constante et répétée. Et il n'y a aucune preuve qui prouve que c'est obligatoire. C'est ça la sunna. On est d'accord. Alors, comment les savants ont déduit que ça c'est sunna, ça c'est obligatoire, ça c'est mandoub? C'est de plusieurs textes et de l'explication et la compréhension des textes. Parmi eux, les textes où le prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim a corrigé les prières effectuées par certains compagnons qui avaient mal accompli la prière, et de là, ils ont déduit. Le prophète, quand il a décrit la prière valide, la prière correcte et complète, il a dit ceci, ceci et cela et cela. Donc on considère que ceci fait partie des obligations, cela fait partie des sunan, cela fait pas, et la akhir. Et parmi ces hadiths, il y a le fameux hadith de Al-Musi fi salatihi. Alors un homme est rentré dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète sallallahu alayhi wassalam était présent et était assis dans la mosquée, et il a prié, il a terminé la prière, il est parti saluer le prophète. Il dit assalamu alayka ya Rasulallah. Et le prophète sallallahu alayhi wasallam lui a dit irji' wa salli fa innaka lam tusalli ou fa innaka lam tusalli. Retourne et prie car tu n'as pas prié. Et il est reparti prier. Une deuxième fois, il revient voir le prophète alayhi salatu wasallam, il le salue, le prophète lui répond et le prophète lui réitère les mêmes propos. Retourne et prie, tu n'as pas prié. Il fait cela une troisième fois, le prophète alayhi salatu wasallam lui répète la même chose. Retourne et prie, tu n'as pas prié. Et il dit par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne connais que cette prière, ya Rasulallah, apprends-moi. Et là, le prophète alayhi salatu wasallam lui a appris. Et dans ce hadith, les savants ont déduit, ah voilà, la prière prophétique. Qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce qui est recommandé? Qu'est-ce qui n'est pas recommandé? Je vous dis à titre d'exemple. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quand tu es debout, eh bien, récite qu'est-ce qui t'est possible et ce que tu as comme Qur'an. Et là, akhir. D'accord? Donc, pour vous dire que toutes ces obligations, ces sunan, ces mendoubet viennent de textes et d'interprétation et compréhension des textes. Alors, quand on accomplit la prière, eh bien, on doit se positionner en face de la qibla. Et ça fait partie des conditions de validité de la prière. En direction de la qibla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma bayna al-mashriq wa al-maghrib qibla. D'accord? Mais là, il a parlé alors qu'il était. Il était où? À Médine. Donc nous, ça, on ne va pas prendre le hadith
de la même manière que le prophète alayhi salatu wassalam a expliqué la chose. Car nous, la Qibla, elle ne sera pas de la même direction que les gens qui habitaient à Médine. Mais il nous a montré que la direction était entre l'Est ou l'Ouest, ou bien entre... Ça dépend de l'endroit où tu es. Donc on se met en direction de la Qibla. Celui qui voit la Qibla, il doit se mettre vraiment en face, avec précision de la Qibla. Sinon, si la personne ne voit pas la Qibla, c'est-à-dire la Kaaba, à ce moment-là, il se met en direction. Même si on va considérer qu'en face de moi, c'est la Qibla, la direction de la Qibla, donc la Kaaba. Et si je ne vois pas la Kaaba, si je me déporte un tout petit peu vers la droite comme ça, il n'y a pas de mal. Un tout petit peu vers la gauche, il n'y a pas de mal. Je reste en face de ou en direction de la Qibla. Si par contre, je la laisse sur ma droite ou je lui donne dos, là, ma prière, elle est invalide. Surtout si je l'ai fait, bien sûr, volontairement. Donc, en face de la Qibla. Je vais commencer avec le takbir. Takbiratul ihram. C'est le fait de dire Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors le fait de dire Allahu Akbar, de prononcer, pas de lever mes mains, de dire Allahu Akbar, c'est une obligation. C'est obligatoire. Celui qui délaisse volontairement sa prière, elle est nulle. Donc je dois dire obligatoirement Allahu Akbar après que je me sois dirigé en face de la Qibla. Alors est-ce que ici je peux le dire dans ma tête? Il est important de faire bouger la langue et les lèvres dans tout ce qui concerne le dhikr, le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand tu lis le Coran, dans la prière, en dehors de la prière, quand tu fais des invocations à voix basse, le principal c'est que tu bouges les lèvres et la langue. C'est le minimum. Alors si tu le dis de sorte que tu t'entendes toi-même, c'est bon. Allahu Akbar. D'accord? Donc ça c'est une obligation. On a compris. Alors lever les mains, dire Allahu Akbar. Si je lève les mains, ceci fait partie des obligations, ou bien des sunan, ou bien des mendoubettes. Lever les mains à la hauteur des épaules, cela fait partie ni des obligations, ni des sunan, mais des mendoubettes. Donc ça veut dire que si quelqu'un rentre dans la prière et dit Allahu Akbar, salatuhu sahiha. Sa prière, elle est authentique, valide, il n'y a aucun problème à cela. Lakin, ce qui relève de la sunna, d'accord, de la sunna et qui n'est pas une sunna à recommander avec insistance, c'est de lever les mains. De quelle manière? De lever les mains à hauteur des épaules ou des oreilles. Les savants ont divergé car il y a différents textes. Alors pour allier tous les textes, on peut lever les mains à hauteur des épaules, c'est-à-dire le bas des mains, afin que le haut des mains soit à la hauteur des oreilles. Comme ça, on a lié entre les textes. Donc, à partir du moment où tu as levé les mains ainsi, à la hauteur des épaules ou des oreilles, cela est bon et cela relève de la sunna et tu as appliqué la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, on ne va pas dire, si tu as mis que à la hauteur des épaules, tu as fait la prière du prophète, alayhi salatu wassalam, et si tu ne l'as pas fait, tu n'as pas fait la prière. Non, on a compris. Donc, il y a plusieurs textes et on déduit, comme on dit les savants, que dans plusieurs postures de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam quelquefois a prié différemment. Donc il n'y a pas qu'une seule prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais prier de différentes manières peut faire de plusieurs personnes qui ont prié de différentes manières des personnes qui ont fait la prière du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc ici je lève à la hauteur des épaules afin que le bout des doigts soit à la hauteur des oreilles. Cela est préférable. Alors ici, si la paume des mains, les paumes des mains sont en face de la Qibla, c'est bon. Et certains disent qu'on peut les incliner ainsi. Donc ainsi, et on dit Allahu Akbar. Ah, par contre, quand on dit Allahu Akbar, ce qui est recommandé, c'est, et ça fait partie des mendoubettes, de garder ici ce critère qui est important, al-lin, la douceur dans la prière. C'est-à-dire qu'on doit redescendre les mains avec douceur. Alors, laissez-moi et enlevez de votre tête ce genre de prière. Allahu Akbar, comme si tu mettais un coup à quelqu'un. Il n'y a pas de Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu baisses tes mains doucement. Alors, est-ce que tu les mets sur le ventre, sous le nombril, tu les lâches? Ça, on va le voir. Donc, on dit Allahu Akbar. Si je ne lève pas mes mains, je dis Allahu Akbar, ma prière, elle est valide. Il n'y a aucun problème. On a compris? Donc, je dis Allahu Akbar. Donc, mon corps doit être droit, car cela, le fait d'appliquer ce qu'on appelle l'i'tidal, garder son corps droit, est une obligation. Je ne peux pas commencer ma prière comme ça, alors je peux me mettre en position droite ou me mettre assis. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit Salli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' ala junub. Il dit alayhi salatu wassalam, prie debout.
Si tu ne peux pas, si tu ne peux pas, eh bien prie assis. Si tu ne peux pas, eh bien prie sur le côté. Et c'est un tertib, un ordre qu'il est obligatoire de respecter. Donc quelqu'un qui se dit même un peu malade et qui peut prier debout, il doit prier debout. Quelqu'un qui ne peut vraiment pas parce qu'il est malade, là à ce moment-là, bien sûr. Fattakullah, mastata'atum. Il prie en position assise. Donc, vous m'avez compris que pour la prière obligatoire, celui qui prie assis, est-ce que sa prière est valide s'il n'a pas d'excuse? Elle n'est pas valide. Parce que rester droit et debout, eh bien, c'est des obligations de la prière. Alors, je dois être en position droite. Alors, position droite, cela implique quoi? Que je baisse ma tête? Est-ce que je suis droit quand je baisse ma tête? C'est un problème. Voilà pourquoi dans le madhhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il considère, contrairement à al-jumhur, la majorité des savants, que le visage doit être en face. C'est-à-dire qu'on doit avoir le visage en face de la direction de la qibla. Pourquoi? Parce qu'ils disent, premièrement, si tu baisses ta tête, ton corps tout entier n'est plus droit. Deuxièmement, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Et tourne ton visage, ta face, en direction de la mosquée sacrée. Et donc, si tu regardes vers le bas, tu ne regardes pas en direction de la qibla. Bien que certains savants comme ici Ibn Abdelbar et d'autres savants, même dans l'école de l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, ils disent que si tu as une crainte de ne pas être concentré ou quelque chose en face de toi, eh bien, peut te déconcentrer ou te pousser à être déconcentré dans la prière, alors il n'y a pas de mal de regarder l'endroit qui correspond à la prosternation. Alors, si tu es à l'aise et concentré, ou plus concentré quand tu regardes en face de toi, c'est le mashhur dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il n'y a pas de mal. Et si tu regardes dans la direction dans laquelle ou vers laquelle tu vas te prosterner ainsi, il n'y a pas de mal, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Par contre, il faut savoir qu'il faut garder les yeux ouverts. Car ici, le fait de fermer ses yeux est déconseillé. Ce n'est pas interdit, mais c'est déconseillé de fermer les yeux, sauf si une raison valable, eh bien, te pousse à fermer les yeux, c'est-à-dire si tu n'as pas d'autre moyen de te concentrer qu'en fermant les yeux. À ce moment-là, tu peux fermer les yeux, mais à la base, il est makruh de fermer les yeux. Donc, le corps doit être droit. Ça veut dire quoi, le corps droit? Eh bien, ça veut dire du haut jusqu'en bas. Suivez bien. Du haut jusqu'en bas, jusqu'au pied. Alors, vous m'avez compris que celui qui va prier comme ça, d'accord, comme s'il faisait position de faire du ski ou je ne sais quoi, il n'est pas droit. On est d'accord ou pas? Celui qui va prier ainsi, c'est-à-dire les pieds joints, alors les quatre écoles se sont exprimées sur cette position-là. Vous suivez bien? Le fait d'avoir les pieds joints. Parce que eux, ils ont dit qu'il est préférable d'écarter un peu les pieds. D'écarter un peu les pieds. Alors, ils divergent. Certains, comme dans le madhhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ils disent que ça doit suivre les hanches pour avoir le corps droit. Donc, tes hanches, ils sont là. Il ne faut pas que tes pieds soient là-bas. Donc, il faut qu'ils soient droits. Alors, ici, d'autres disent qu'il faut que ça corresponde à un écart, qui correspond à l'écart de la main. D'autres disent maximum deux mains. Donc, vous voyez qu'ils étaient en train d'expliquer que tu peux ouvrir, mais un peu. Ils n'étaient même pas dans l'explication de et n'écarte pas trop ou écarte beaucoup. Non, eux, ils étaient vraiment en train de t'expliquer, de nous expliquer qu'il faut écarter un tout petit peu. Alors, vous m'avez compris que le fait déjà d'écarter trop ses pieds, ça ne relève pas du tout dans la sunna d'après ce qu'ont rapporté les quatre écoles. Les quatre écoles. Alors, maintenant, si on applique ça et on a compris ce que je viens de dire là, à ce moment-là, on va comprendre qu'il va être difficile de suivre un peu la compréhension de certains, surtout dans la prière en groupe, lorsqu'ils veulent absolument coller les pieds. Parce que automatiquement, si on veut appliquer le fait de coller les pieds, on va être obligé de quoi? D'écarter. En tout cas, de dépasser ce qui a été recommandé par les quatre écoles. Déjà, ça pose problème. Et s'ils n'ont pas parlé de cet écartement exagéré, c'est que ce n'était pas connu à la base chez eux. À la base, tout le monde priait. Même, c'était plus le problème, le fait de prier avec les pieds collés. C'était ça plus le problème. Maintenant, nous, c'est l'inverse. C'est le plus grand problème, c'est de voir des gens prier avec les pieds écartés. Vous suivez bien? Alors, certains ont utilisé des hadiths. Et ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans des athars, comme dans le athar de Anas, il est recommandé de quoi? D'aligner les rangs, certes. Unanimité sur cette question-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait toujours « Sawu sufufakum ». On est d'accord. Aligner les rangs.
Et ici, il y a des athars où il est rapporté qu'il fallait coller les quoi ? Les chevilles. Alors, il faut savoir que les quatre écoles, ils n'ont pas apporté certaines paroles concernant cette question-là comme ont apporté les savants contemporains. Il y a des avis qui sont arrivés aujourd'hui qui n'existaient pas dans les quatre écoles. Ça, même si tu cherches dans les kutub de fiqh chez eux, il n'y a pas ces paroles-là. Il faut savoir que le fait de comprendre qu'il faut vraiment coller, même si tu le comprends ainsi, et ça on verra ça dans les cours, dans la théorie, dans les détails, mais de façon très résumée je vous le dis, eh bien ici ce n'est pas un objectif en soi-même. Vous suivez bien ? Le fait de coller. L'objectif c'est d'aligner les rangs. Donc quand l'objectif est atteint, aligner les rangs, est-ce qu'il y a besoin de coller encore les pieds ? Non. Et ça, alors que ici moi je reste basé dans les quatre écoles juridiques, mais bon, pour que certains se retrouvent un peu s'ils sont un peu perturbés, si nous prenons des savants et un groupe de savants qui, avec tout le respect qu'on leur doit, qui sont suivis par un groupe de personnes qui ne suit que ce groupe de savants à titre d'exemple, des savants du Hijaz, d'Arabie Saoudite et d'autres. Si on prend la parole d'Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayh, sur cette question-là, il dit que ça, ce n'est pas un objectif. Ça veut dire que tu colles ton pied pour pouvoir aligner le rang. Mais quand le rang est aligné, tu n'as plus besoin de coller le pied tout au long de la prière. Vous suivez bien ? Deuxième savant, si on prend les savants du Hijaz, un livre très intéressant ou un épître qui a été fait par le Shir Bakr Abu Zayd, rahimahullah ta'ala, qui est mort il n'y a pas très longtemps de cela. Alors il a fait un livre avec un titre très intéressant. Et il dit La jadid fi ahkam as-salah. Intaha al-kalam. Il dit quoi ? Il n'y a rien de nouveau dans les jugements de la prière. C'est-à-dire que quand on parle de la prière, il n'y a rien de nouveau. Les savants contemporains ne vont pas nous apporter quelque chose de nouveau. Ils vont nous expliquer ce qui a été détaillé. Et dedans, écoutez bien ce qu'il mentionne deux choses qui sont polémiques aujourd'hui. Alors cette première position, c'est-à-dire le fait de coller les pieds avec les gens dans la prière, et il explique de manière détaillée que ça, c'est une chose qui n'a pas été connue dans les quatre écoles, pendant la prière. Et il rapporte les textes où il est recommandé de coller les pieds, et il dit que ça, c'était quelque part une image. Et ce n'était pas le fait ou la volonté de coller vraiment les pieds. Pourquoi ? Parce que dans les mêmes hadiths, le prophète dit de coller les pieds, suivez bien, de coller quoi encore ? Les genoux. Et de coller quoi encore ? Les coups. Alors comment, explique-moi, comment tu vas coller ton pied, ta cheville, ton genou, ton épaule, parce qu'il y a l'épaule aussi, et ton cou. Donc le but ici, c'est de pousser les musulmans à quoi ? À aligner les chevilles, les épaules, les genoux et les coups. Et quitte à coller son pied au début, même pas le pied, c'est la cheville. Le pied un tout petit peu, afin d'être sûr d'avoir aligné les rangs, eh bien il n'y a pas de mal. Ensuite, tu n'as plus à coller les pieds, surtout si tu es obligé d'écarter ne serait-ce que comme ça. Alors la personne qui se colle à toi, c'est lui qui a mal compris la religion. Toi, tu restes droit, ainsi. Et ce qui est interdit, c'est de laisser al-farj, c'est-à-dire ici un espace à shaitan. Mais est-ce que ici c'est demandé de fermer tous les espaces même d'un millimètre ? Non, c'est qu'il y avait des personnes qui priaient de manière très écartée, de sorte qu'il y avait des vrais espaces. Mais à partir du moment où tu as collé un peu ton épaule avec l'épaule de ton voisin, il n'y a pas de mal. Surtout, suivez bien, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kama fi sahih, khiyarukum, alyanukum manakiba fi salah » Les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux qui ont les épaules les plus douces. C'est-à-dire, quand tu colles l'épaule avec ton frère, c'est avec douceur. C'est vraiment histoire de sentir que ça y est, tu n'as pas laissé de grand espace. Alors nous maintenant, tac, et tu colles, et tu serres, et tu colles ton pied. Alors cela, ça n'a existé aucunement dans les quatre écoles. Vous m'avez compris ? Donc coller les pieds pendant la prière, obligatoire. À la rigueur, commencez ça là, sinon il n'y a plus à coller les pieds. Clair ? Et on verra pour la suite. Donc je dis Allahu Akbar. Je baisse mes mains. Il faut savoir que dans le madhab de l'imam Malik rahmatullahi alayh, eh bien ici il est recommandé de lever une seule fois les mains en disant Allahu Akbar. Je lève une seule fois. Ensuite je les descends avec douceur. Et ça, ils ont utilisé le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda, où il a été rapporté qu'Ibn Mas'ud a dit: voulez-vous que je vous montre la prière du prophète alayhi salatu wassalam? Et il a fait la prière et il a levé les mains qu'une seule fois. Il a levé les mains qu'une seule fois. Alors, ici, certains savants, comme Ibn Abd al-Barr al-Maliki, dans l'école de l'imam Malik, a rapporté que 13 compagnons, il est rapporté qu'ils levaient les mains à 3 reprises.
et qu'il dit, celui qui lève les mains à trois reprises, il n'y a pas de mal. Mais al-mashhur dans le madhhab de l'imam Malik, c'est de lever une seule fois les mains. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de textes sur la prière. Mais ce qui est fort dans le madhhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, c'est que parmi les fondements de l'école de l'imam Malik, c'est qu'il prenait en considération amalu ahli al-Madina, les actions des savants de Médine. Donc, et je vous l'ai dit, je ne cesserai de vous le répéter, là on parle de qui? Des gens qui ont pris la science directement des tabi'in ou des compagnons. Donc c'était très proche. Donc c'est un argument très fort le fait de dire, de la part de l'imam Malik, moi je prie comme ça, même s'il contredit le hadith, parce que les plus grands des savants qui ont vu tous les compagnons, eh bien on dit qu'ils ont prié comme ça. C'est très fort. Donc ici, l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, il rapporte qu'il faut lever les mains qu'une seule fois. Et celui qui les fait à trois reprises, c'est-à-dire au moment de dire Allahu Akbar, au moment ici de faire un ruku' après la récitation, Allahu Akbar, une deuxième fois, et au moment de se relever, Sami Allahu liman hamida, c'est bon aussi. Mais al-mashhur fil madhhab, c'est de lever une seule fois. Et celui qui le fait une fois ou trois fois, les deux sont bons. D'accord? Vous m'avez compris? Donc on dit Allahu Akbar, les pieds pas trop écartés, en direction de la Qibla, Allahu Akbar. On descend les mains. Alors on met les mains où? Je les mets là, je les mets là, je les lâche. Il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle As-Sad et ce qu'on appelle Al-Qabd, c'est-à-dire le fait de tenir les mains. Alors Al-Jumhur, la majorité des écoles juridiques disent qu'on doit mettre la main droite sur la main gauche. La main droite sur la main gauche. Et c'est ce qui est relaté dans plusieurs textes, donc, dont le texte ici ou les plusieurs versions concernant les textes rapportés par Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu arda. Par contre, dans le madhhab de l'imam Malik rahmatullahi alayh, il considère qu'on doit faire As-Sad. Quand tu fais ta prière, Allahu Akbar, et tu lâches tes mains. Alors certains disent, oui, l'imam Malik l'a fait quand il a été torturé, etc. Bon, tout ça, c'est du grand n'importe quoi, parce que l'imam Malik a été interrogé dans le Mudawana par Ibn al-Qasim, comme l'a rapporté As-Sahnoun. Et ici, l'imam Malik a répondu clairement sur le sadl. Et l'imam Malik lui-même, dans le Muwatta, a rapporté les textes de Wa'il ibn Hujr, où il fallait faire le qabd. C'est la preuve que l'imam Malik avait ces textes-là sur le qabd, mais il n'a pas fait le qabd, il a fait sadl. C'est que c'est la compréhension du texte, et il a pris en considération Amalu Ahli al-Madina, les savants de Médine qui priaient, d'après lui, les mains lâchées. Alors, on prie les mains lâchées ou on prie avec Al-Qabd? Il faut savoir que l'imam Malik a été interrogé par Ibn al-Qasim dans le Mudawwana, le livre de référence, où il a interrogé l'imam Malik sur plusieurs questions. Et ici, quand il a interrogé l'imam Malik sur le Qabd, l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, il disait, je ne vois pas cela comme une chose à faire dans la prière obligatoire. Pourquoi? Parce que l'imam Malik était interrogé sur la personne qui prend quelque chose comme appui dans la prière. Un mur, un poteau, un bâton. Et ensuite, il lui a posé la question sur le qabd. D'accord? Donc, celui qui fait al qabd pour l'imam Malik, rahmatullahi alayh, bin niyat al-i'timad alayh, avec l'intention de s'appuyer dessus, c'est-à-dire d'avoir un support. Parce que vous savez, quand vous faites le qabd, que tu le veuilles ou non, il n'y a pas de relâchement. Tu as un support. Ça permet quelque part de reposer aussi les bras, de les tenir. Il dit, cela, on ne peut pas le faire. Parce qu'on ne peut pas prendre un support dans la prière. Dans la prière obligatoire, pas dans la prière surérogatoire. Parce que vous savez que dans la prière surérogatoire, même prier assis est autorisé. Mais la prière obligatoire, tu n'as pas le droit de prier assis sauf si tu as une raison valable. Et tu n'as pas le droit de prendre d'appui sauf si tu as une raison valable. On est d'accord? Donc lui, il dit, celui qui le fait dans la prière obligatoire, avec l'intention d'avoir un support, un appui, il dit non, cela je ne l'aime pas, c'est macro. Par contre, dans une prière surérogatoire, il n'y a pas de mal. Et de là, certains savants, et bien même dans l'école de l'imam Malik, ont dit que ceux qui le faisaient avec l'intention d'avoir un quelconque support, ils ne devaient pas le faire, ce n'est pas la sunna, c'est mieux de lâcher les mains. Et c'est ce qui est rapporté de l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, qui priait les mains lâchées. Pas que de l'imam Malik. Alors, Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhu arda, ce grand savant, ce grand compagnon, bien ici, il est rapporté que, eh bien, il priait avec les mains lâchées. L'imam Ahmad, rahmatullahi alayh, l'imam Ahmad ibn Hanbal, il y a une version, sa parole à lui, pas dans le madhhab. La parole de l'imam Ahmad, il y a deux paroles. Il dit de mettre la main droite sur la main gauche, tahta surra, al-hanabila, tahta surra, en dessous le nombril, ou bien al-irsal, de lâcher les mains. L'imam Ahmad, l'imam al-Shafi'i, eh bien il dit la main droite sur la main gauche, fawqa surra, au-dessus du nombril. Al-madhhab al-maliki, soyez as-sad. Et ça, c'est bon. Ou soit, comme il a dit Ibn Abdelbar, rahimahullah ta'ala, celui qui fait le sadl, c'est bon. Celui qui fait le qabd, c'est bon. Donc dire que c'est une bid'a de l'imam Malik, mubtadi'a. On arrête tout là alors.
Donc ici, sadl, c'est bon. Et dans le madhab de l'imam Malik, ceux qui considèrent al-qabd, eh bien, ils disent la main droite sur la main gauche, fawqa surra tahta sabr, au-dessus de, du nombril et sous la poitrine. Et celui qui va faire al-qabd, c'est-à-dire mettre sa main droite sur sa main gauche, et dans cette position, dans cet endroit-là, vous allez voir que c'est l'endroit le plus à l'aise. Contrairement à si on lève jusqu'à la poitrine. Des gens, ils sont comme ça. Et ils sont compressés. On a dit que la prière, elle est accompagnée de douceur, de facilité. Donc ici, c'est la position qui est rapportée chez Al-Jumhur. La majorité des savants, c'est la main droite sur la main gauche, au-dessus du nombril et en dessous de la poitrine. Par contre, suivez bien, la position des mains, c'est sunnah, c'est obligatoire ou c'est mandoub? C'est mandoub. Et c'est sur ça que certaines personnes parlent depuis des années. Oui, mais ta main, moubtadi'a, bid'a, c'est même pas sunnah. C'est-à-dire c'est recommandé sans insistance. Celui qui prie comme ça ou comme ça, il n'y a pas de mal. Là, je vous parle d'une chose qui n'est même pas une sunnah recommandée ou fortement recommandée. Là, on parle des mandoubettes. Donc, mettre la main droite sur la main gauche. Alors, il y a deux choses. Si on prend le fait de mettre la main droite sur la main gauche, il y a ce qu'on appelle al-wad'a et ce qu'on appelle al-qabd. Al-wad'a, c'est de mettre sa main placée. C'est juste de mettre la main droite sur la main gauche. Alors dans les hadiths, il est rapporté la main droite sur la main gauche et sur la main, sur le poignet et sur l'avant-bras. Dans le hadith de Wa'il ibn Hujr et d'autres, eh bien il est rapporté la main droite sur ces trois choses. La main, le poignet et l'avant-bras. Donc si on pose, on va poser la main droite ainsi. C'est-à-dire que le milieu de la main va être sur la poignée, afin que le début de la main soit sur la main et la fin de la main, les doigts soient sur la poignée. On a réuni les trois. Ainsi. D'accord ? Ça, c'est al-wad. Et ici, si on parle de al-qabd, al-qabd, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'accrocher. D'accord ? De tenir. Eh bien, là, on va prendre le poignet afin qu'on tienne, on touche la main, le poignet et l'avant-bras aussi. Donc, c'est ainsi. On va le prendre là. Et là, sur la main droite sur la main gauche. Et là, on a fait al-qabd. D'accord ? Et c'est ce qui est relaté dans les ahadiths. Et si la personne préfère faire ce qui est mashhur et prépondérant et référent dans l'école de l'imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'a, eh bien c'est qu'il lâche ses deux mains. Et ça s'appelle as-sadl. D'accord ? Irsal al-yadayn, laisser pendre ses deux mains. Et s'il veut prendre la majorité dont des paroles dans le madhab de l'imam Malik et il ne le fait pas pour s'appuyer dessus, eh bien il met la main droite sur la main gauche au-dessus du nombril et en dessous de la poitrine. Alors les textes qui sont rapportés concernant As-Sadr, sache que l'imam Malik, Al-Shafi, Ahmed, Abu Hanifa les avaient et aucun n'a dit que c'était le prépondérant dans les écoles. Les quatre écoles juridiques, ils ont dit on ne fait pas sur Sadr. Et ici, Al-Sadr, certains savants ont expliqué, c'est-à-dire c'est la limite en réunissant les autres textes jusque la poitrine. D'accord ? Et dans Ibn Qudama, dans Al-Mughni, référent de Al-Hanabila, il dit, si tu le fais en dessous Surra, ou au-dessus de Surra, ou sur la poitrine, eh bien, il n'y a pas de mal. Mais Al-Mashhur, c'est chez la majorité, au-dessus du nombril et en dessous de la poitrine. D'accord ? Donc, Allahu Akbar, clair ? Et donc, je mets la main droite sur la main gauche, si je dis Allahu Wa, sans la Hamza, Allahu Akbar, il n'y a pas de mal, mais le mieux, c'est de dire Allahu Akbar. Ensuite, je récite Suratu Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça, c'est une obligation. Chez la majorité des savants et des écoles juridiques, c'est obligatoire de réciter Suratu Al-Fatiha. Et je commence par Bismillahir Rahmanir Rahim ou bien Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inde Al-Malikiya et Al-Hanafiya, ici, je commence directement par Alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien ici, quand il a expliqué à plusieurs reprises la prière, il dit « Fais takbiratul ihram » dit « Allahu Akbar ». Ensuite, eh bien il a rapporté qu'il commençait par « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » et les savants ont divergé sur cette question. En tout cas, « Al-Mashur » c'est « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » mais sortir de la divergence, il n'y a pas de mal, on peut commencer par « Al-Basmala »« Bismillahirrahmanirrahim »« Alhamdulillahi Rabbil Alamin » Mubasharatan, directement. Alors, est-ce qu'on fait « Dua al-Istiftah » سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم باعد بين. On fait des invocations d'ouverture ou pas? Le mashhur dans le madhhab de l'imam Malik, c'est qu'on fait rien du tout. Allahu Akbar directement. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Premièrement, ils ont dit qu'à Médine,
Dans la mosquée du prophète, jamais il a été rapporté que les plus grands savants de Médine, à l'époque de Malik, commençaient la prière en disant « Bismillahirrahmanirrahim » à voix haute, comme à voix basse. Dua al-istiftah, il est rapporté que l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, la faisait. Et quand on l'a interrogé, alors que lui, il a dit « il n'y a pas à la faire », il dit « je crains que cela soit rendu obligatoire ». Et souvent, l'imam Malik délaissait des choses ouvertement par crainte que les gens pensent que c'est obligatoire. Comme les 6 jours de Shawwal après Ramadan. Il reconnaît que c'est une sunnah, mais dans le madhab, il dit que ce n'est pas recommandé de le faire par rapport à la crainte que les gens pensent que c'est obligatoire. Des gens vont dire, mais non, c'est pas à notre époque. L'information va plus vite. D'accord, soit, mais à leur époque, non. De plus, même à notre époque, vous n'avez pas entendu des personnes quelquefois dire, attention, si tu fais les 6 jours après Ramadan, tu dois les faire toute ta vie. Vous n'avez jamais entendu ça? Et vous voyez, l'imam Malik, le visionnaire, dit, je crains que si ces choses-là, parce qu'ils sont liés à un acte obligatoire, les gens pensent que c'est obligatoire. De plus, du'a al-istiftah, il est entre 2 actes obligatoires. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, et tout de suite après, al-fatiha. Donc il y a plus de risques que les gens pensent que c'est obligatoire. Mais il est rapporté que l'imam Malik le faisait. Celui qui le fait, il n'y a pas de mal, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar, al-fatiha. Ensuite, je récite une sourate pour les 2 premières unités de prière. Pas pour les 2 dernières unités de prière d'une prière. On est d'accord. Une sourate. Peu importe la sourate, à partir du moment où le sens est complet, et le préférable, ou ce qui est préférable, c'est de réciter des sourates complètes. Alors dans Salat al-Subh et Salat al-Dhuhr, les sourates doivent être un peu plus longues. Dans Salat al-Asr, ici, elle doit être plus courte. Comme dans Salat al-Maghrib et Salat al-Isha, moins longue que Salat al-Subh et al-Dhuhr, et un peu plus longue que Salat al-Maghrib. D'accord, moyenne. Donc on se réfère à Al-Mufassal, les derniers chapitres du Coran, pour savoir quelle sourate il est recommandé de faire. Mais ici, ça c'est approximativement, et dans les détails, on l'a déjà vu dans les cours. D'accord. Donc je récite une sourate. Ah, récitation d'une sourate, c'est quoi? C'est obligatoire? C'est une sunnah. Réciter une sourate ou le Coran après sourate al-Fatiha, c'est sunnah. Avec insistance, et certains disent que c'est mandoub. Ils disent c'est même pas avec insistance. À la kulli hal, on le fait. Quelqu'un qui ne sait pas réciter sourate al-Fatiha, il fait comment? Eh bien, il y a plusieurs textes. Un texte où le prophète a recommandé de faire du tasbih, du tahmid, du tahlil. De dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wallahu akbar. S'il ne sait pas, il récite ce qu'il connaît du Coran, et ça c'est préférable. Ça veut dire qu'il connaît 2 versets de sourate al-Fatiha, il récite les 2 versets de sourate al-Fatiha. En arabe, عند المالكية, que en arabe. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Il connaît que ça, ça y est, il kabbar. D'accord. Donc là maintenant, on va passer à quoi? Al-ruku'. Et al-ruku', c'est obligatoire. Faire al-ruku', l'inclinaison, c'est une obligation. Alors la personne, si on prend le mashour dans le madhab de l'imam Malik, il a mis ses mains où il a fait al-irsal, main droite sur main gauche, et il va dire Allah sans relever les mains. S'il refait, il n'y a pas de mal. Et il va dire Allahu Akbar. C'est ce qu'on appelle takbiratul intiqal. Takbiratul ihram, le premier, quand on a dit Allahu Akbar pour rentrer dans la prière, c'est obligatoire. Mais le fait de répéter Allahu Akbar à chaque fois, avant ou après chaque mouvement, est-ce que ça c'est obligatoire? Non, ça ce n'est pas obligatoire. Ça fait partie des sunan. C'est une sunna. D'accord? C'est quelque chose qui doit être fait, fortement recommandé. D'accord? Et certains savants, comme dans l'Hanabila, certains considèrent que c'est obligatoire. Mais dans l'Malikia, c'est une sunna. Ça veut dire que la personne qui se baisse, il n'a pas dit Allahu Akbar, sa prière elle est valide. Vous comprenez que la prière, ce n'est pas compliqué. Si on enlève les sunan et on enlève les mandoubat, il y a quoi de compliqué? Tu rentres dans la prière comme ça, Allahu Akbar. Tu récites le Fatiha, tu te baisses. Quelqu'un te voit prier comme ça aujourd'hui et qui n'a pas de science, il va dire Adam, Hamak, il nous a sorti quoi? Ce n'est pas une prière ça. Mais celui qui a du ilm, va dire je me tais, sa prière elle est authentique. Vous voyez la différence entre ceux qui vont se précipiter et ceux qui vont avoir de la retenue? Ceux qui se précipitent, c'est ceux qui n'ont pas beaucoup de science en la matière, dans le sujet. Ceux qui ont de la retenue, c'est ceux qui, eh bien, ont plus de science en général. Donc ici, Allahu Akbar, et tu te baisses. Alors quand on fait recours, il est recommandé d'écarter un peu ses mains, ses bras, et d'avoir le dos droit, de prendre bien ses genoux, et le minimum dans le recours, c'est de mettre de sorte que au moins tes doigts arrivent jusqu'au genou. C'est-à-dire si tu as tes mains dans la cuisse. Ça, c'est le minimum. Vous avez vu l'inclinaison, même si je n'ai pas le dos droit. Lakin, si je veux faire un recours complet en appliquant les sunan et les mandoubat
et faire le ruku au mieux, eh bien à ce moment-là, je descends en prenant bien fermement mes genoux, en écartant un peu les doigts. Et si je fléchis un peu mes jambes afin de m'aider d'avoir le dos droit, il n'y a pas de mal, même cela est recommandé chez certains savants. Je fléchis un tout petit peu, j'ai les pieds droits, pas trop écartés. Et ici, je ne lève pas ma tête et je ne baisse pas ma tête, mais je la laisse droite. Alors, est-ce que ici mon dos est droit? Il est droit ou pas? Non. Est-ce qu'il est droit? Il est droit là? Khalas. Donc, vous voyez, est-ce que mes bras sont écartés? Si je tends mes bras, comment voulez-vous? Vous comprenez pourquoi c'est une sunna d'écarter un peu ses bras? Alors, j'écarte un peu mes bras si je suis un homme. Je baisse, je regarde en face de moi, d'accord? Est-ce que là, ma tête est alignée avec mon dos? D'accord? Et si je suis une femme, il est recommandé, par contre, elle, de rentrer un peu ses bras. Il est recommandé de rentrer ses bras pour la femme, dans le madhab de l'imam Malik, et pour l'homme, d'écarter un peu les bras. Je regarde en face de moi, et là, j'ai fait mon ruku'. Alors, ce qui fait partie des obligations tout au long de la prière, c'est à chaque dans chaque posture, je respecte at-tuma'nina, l'apaisement. Je ne peux pas faire comme ça. Allahu akbar, sami Allahu liman. Là, c'est ma prière, elle est nulle. Pourquoi? Parce que même al-musi fi salati, quand le prophète a corrigé la personne qui ne priait pas bien, c'est parce que il ne gardait pas un apaisement lors de certains mouvements. Donc je dois attendre un peu, au moins de sorte à dire une fois, au moins une fois, le tasbih. Alors, quand je suis dans le ruku' et je dis Subhana Rabbi, je dis quoi quand je suis dans le ruku'? Subhana Rabbi al-Azim, ou bien Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi. Le fait de le dire, c'est obligatoire? C'est une sunna? Ou c'est mandoub? C'est mandoub. C'est mandoub. Le fait de dire Subhana Rabbi al-Azim. Amma ce qui est makro, c'est de faire dua. Fais le ruku', tu fais pas de dua. Et de lire le Coran dans le ruku', tu lis pas le Coran. Ça c'est makro, c'est détestable. Ok? Par contre, tu dis une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, sept fois, comme tu veux. Subhana Rabbi al-Azim. Et ici, il est makro dans le madhab de l'imam Malik de délimiter à trois fois ou à deux fois. Te dire je dois faire que trois fois ou deux fois. Non, trois fois, une fois, cinq fois, une fois, six fois, une fois, sept fois, une fois, deux fois. D'accord? Tu changes. Donc ici, Subhana Rabbi al-Azim. Ok, trois fois. Et j'ai gardé une position, un apaisement, je ne me précipite pas. Et ensuite, je me relève. Sami'a Allahu liman hamida. Le fait de dire Sami'a Allahu liman hamida. Alors, obligation? C'est obligatoire? Sunna. Sami'a Allahu liman hamida, sunna. Ça veut dire celui qui ne l'a pas dit, la base. Vous voyez, c'est simple. Quelqu'un même qui n'a pas tous les mots, sa prière, elle sera valable. Donc, Sami'a Allahu liman hamida, c'est une sunna. Donc, sunna recommandée avec insistance. Rabbana wa lakal hamd. Sunna, certains disent que c'est mandoub. De dire Rabbana wa lakal hamd. Le prophète alayhi salatu wa sallam fi sahih muslim, il dit Idha qala l'imam Sami'a Allahu liman hamida faqulu Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Ou bien Rabbana wa lakal hamd faman wafaqa qawluhu. D'accord, celui qui va faire correspondre qawluhu qawla al-mala'ika, sa parole avec la parole des anges, tous ses péchés seront pardonnés. Donc le but, c'est de dire en même temps que les anges, Rabbana wa lakal hamd. D'accord? Donc ici, je vais me relever en disant Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Et là, j'attends ici une période, je laisse une période un peu d'apaisement. Pareil, je ne peux pas dire Sami'a Allahu liman hamida. Non. Là, j'ai délaissé quoi? Une obligation dans la prière, je dois laisser un peu. C'est pas 5 heures ou la 6 heures, non, juste un allègement. Je me relève, Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Et là, je peux me prosterner. D'accord? Et aussi, précédemment, il faut savoir que j'ai oublié de vous dire une chose concernant le ta'min. Ça, c'est si vous priez derrière un imam. Vous devez dire Amin. Quand l'imam a dit wala dallin, vous dites Amin. Et ici, il est important de le dire si vous êtes tout seul ou vous êtes derrière l'imam. Le fait de dire Amin. D'accord? Et certains dans le madhab de l'imam Malik disent que l'imam doit dire Amin et d'autres disent l'imam ne dit pas Amin.
D'accord ? Parce que ici, il a fait dua et c'est les gens qui doivent dire amin pour l'invocation. Et amin, ça veut dire Allahumma, Allahumma stajib. Oh Allah, accepte. Et c'est ce qui correspond, comme l'a dit l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala, au amen. D'accord ? Dans les livres comme la Torah ou bien l'évangile. Quand ils disent amen, c'est oh Dieu accepte. Comme nous, quand on dit amin. D'accord ? Donc je me suis relevé du ruku', Rabbana wa lakal hamd. Et là, je passe à quoi ? Au sujoud. Sujoud ! C'est quoi sujoud? Obligatoire? Obligatoire? Obligatoire. Obligatoire. Donc je dis Allahu Akbar. Je pose quoi? Les genoux ou les mains? Alors grande divergence. Al-Mashhur fil Madhab al-Maliki, ils ont utilisé un hadith fi Sahih où il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé ses mains avant ses genoux quand il s'est prosterné. Et d'autres ont interprété le hadith en disant que non, c'est les genoux avant les mains. Ils divergent les savants et certains disent que tu fasses les genoux ou les mains, les deux sont bons. Il n'y a pas une seule obligatoire prière qui est bonne, les autres sont innovateurs. Ça, enlevez ça de votre tête. D'accord ? Donc, ici, Al-Mashhur fil Madhab al-Maliki, c'est on pose d'abord les mains. Allahu Akbar, en posant d'abord les deux mains, ensuite les genoux. Ok. Donc, avant de rentrer dans les détails, ici, il faut savoir que quand j'ai posé mes mains et mes genoux, je pose ma tête. Mais qu'est-ce que je pose ? Le front et le nez. Il faut savoir que dans le Madhab al-Maliki, il est obligatoire, ça fait partie des obligations, de poser une partie du front au moins. Au moins. Si tu as posé une partie du front, c'est bon. Si tu as posé tout le front, c'est encore mieux. D'accord ? Tu as appliqué ici, tu as concrétisé l'obligation. C'est obligatoire de poser le front. Par contre, le nez. Alors, contrairement à Al-Jumhur, ils disent que ce n'est pas obligatoire, mais c'est une sunna. Lakin, pour sortir de la divergence, parce que certains savants disent que si tu n'as pas collé le nez, ta prière elle est bâtée là, dans d'autres écoles juridiques, le mieux, sors de la divergence et colle ton nez aussi. Par contre, il faut savoir que dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il est détestable, si ce n'est, certains savants disent que la prière est nulle. Si tu pries sur une chose trop épaisse et trop confortable, trop molle, par exemple, une grosse couette épaisse, de sorte que quand tu te prosternes, eh bien toute ta tête elle s'enfonce. Dis ça, tu n'as pas le droit. Le moins qu'on puisse dire dans l'école de l'imam Malik, ils disent que c'est makro. Donc, il faut qu'il y ait quand même un support assez dur, même si c'est une moquette. D'accord ? Donc, on dit Allahu Akbar et on pose son front, son nez, ses deux mains, les doigts en face de la Qibla, direction de la Qibla. Et ici, on écarte, pas de mal à qu'il soit même écarté un tout petit peu, même serré, il n'y a pas de mal. Et on écarte un peu les bras, comme il a été rapporté, le prophète alayhi salatu wassalam écartait ses bras de sorte qu'on voyait la blancheur de ses aisselles. Contrairement aux femmes, il est recommandé pour elles dans la prière, comme dans le recours, de ranger les bras. On écarte pour l'homme les cuisses du ventre. D'accord ? On laisse un écart. Contrairement à la femme dans la prosternation, il est recommandé à elle qu'elle rapproche le ventre des cuisses. C'est comme si elle va se recroqueviller, si on veut, sur elle-même. D'accord ? Suivez bien. Les pieds derrière. Alors, on va les mettre en position verticale. Et on va appuyer les orteils contre le sol. Est-ce qu'on va réunir les pieds ? Oui ou non ? Non. De la même manière, Shirbaka. Ici, je prends cette référence parce que certains prennent qu'une partie des savants. Donc, pour leur montrer que voilà. Et dans son livre ou son épître intitulé « La jadid fi ahkam al-salah », il n'y a rien de nouveau dans les jugements de la prière, il rapporte les textes qui ont été rapportés concernant le fait de joindre les pieds derrière. Et il dit ça, il n'y a pas dans les quatre écoles. C'est quoi c'est, entre guillemets, il rapporte que c'est des choses nouvelles. Et il cite le hadith rapporté par Aïcha qu'ils ont pris comme argument, qui est la base de ce hadith, il est fait sahih et muslim. Mais ils disent « ziyada » comme quoi elle aurait posé sa main sur les pieds ou les talons du prophète alayhi salatu wassalam. Et que les talons étaient réunis, ils disent cette ziyada elle est da'ifa. Et même quand on prend la majeure partie des textes et des explications des gens de science, eh bien on voit que on doit écarter les pieds. Pourquoi ? Parce que la règle de base dans les pieds et dans la prière, c'est quoi ? Qu'ils sont toujours écartés. Même dans le sujoud, il est demandé d'écarter un peu les cuisses. De même, ils disent que ça prend le même hukm. Tant qu'on n'a pas une preuve du contraire, on doit écarter un peu les pieds et pas les réunir. Et donc ici on va se prosterner de cette manière là, main droite sur main gauche. Et ici vous avez vu, je ne vais pas faire comme ça, contrairement à la femme. Par contre, il faut savoir que même pour la femme, il faut faire attention de ne pas, d'accord, poser son avant-bras par terre.
Donc poser son avant-bras par terre, il ne faut pas le faire. Il faut toujours, dans tous les cas, pour lever l'avant-bras. Il faut qu'il soit levé comme ça pour la femme ou comme ça pour l'homme écarté. D'accord ? Donc pour l'homme, ainsi. Et donc là, je dis Subhana Rabbiyal A'la à trois reprises. Donc mes mains, ils sont vers quel endroit ? Vers les épaules et les oreilles. D'accord ? De la même manière. Ok ? J'écarte. Ainsi. Et mes pieds derrière, ils sont ainsi mes pieds. Donc, je ne joins pas mes pieds comme ça parce que ça, obligatoirement, ça va me pousser à joindre mes cuisses. Alors, ce qui est demandé, c'est d'écarter un peu. Et de la même manière, on écarte les pieds. Ainsi. Claire ? C'est clair pour tout le monde ? Donc, ensuite, en me levant, je dis Allahu Akbar. En me levant, je dis Allahu Akbar, c'est takbiratul intiqal. C'est quoi takbiratul intiqal ? Obligatoire ? C'est une sunna. Vous avez compris ? C'est une sunna. Je suis en position assise. Alors, en position assise, il faut que je reste droit. Je suis droit. Ma main droite sur ma main gauche sur les cuisses. D'accord ? Main droite sur main gauche sur les cuisses. Et le bout des doigts vers qui doivent atteindre les genoux. Les bouts des doigts qui doivent atteindre les genoux. Ok ? Maintenant, mes pieds, de quelle position ils doivent être ? Alors, dans le madhhab de l'imam Malik, ici, parce que les quatre écoles divergent sur la position des pieds. Sur la position des pieds. Les quatre écoles divergent sur la position des pieds, sachant que certains disent qu'on doit faire le tawarruk à certains moments, d'autres disent qu'on doit faire l'iftiraj, d'autres disent qu'on doit faire les deux, d'autres... Dans le madhhab de l'imam Malik, ils disent qu'il n'y a qu'une position. C'est ce qu'on appelle le tawarruk. Le tawarruk, c'est quoi ? Alors, je vais vous montrer ici. Ici, tawarruk, c'est le fait de faire passer la jambe gauche sous le tibia ou la jambe droite, on est d'accord, et de garder le pied, donc le pied droit, je ne vais pas l'étaler comme ça, mais je vais le garder en position verticale en appuyant sur les orteils. Et je vais me rabattre sur mon flanc gauche. C'est ce qu'on appelle le tawarruk. Alors, al-mashour dans le madhab de l'imam Malik, c'est dans toutes les positions assistées comme ça. Ok ? Alors, il y a un autre qawl dans le madhab de l'imam Malik qui dit que dans la deuxième position, c'est-à-dire le premier tashahhud, tu dois faire ce qu'on appelle l'iftirash. L'iftirash, c'est quoi ? Eh bien, c'est que je m'appuie sur mon pied gauche et je redresse toujours mon pied droit de manière verticale et les pieds, les doigts de pied sur le sol. Ça, c'est ce qu'on appelle l'iftirash. Ils disent comme ça dans la deuxième rak'at. Dans la deuxième rak'at, comme ça. Et dans la dernière rak'at, si par exemple je fais dhuhr, la deuxième rak'at ou tashahhud, je vais faire ainsi. Et dans la dernière rak'at, je vais faire comment ? Eh bien, dans la dernière rak'at, je ferai at-tawarruk. Ainsi. Je ferai le tawarruk. Ok ? Et d'autres, ils disent que non. Dans toute la prière, on fait, dans d'autres écoles, ils ont toute la prière, on garde le l'iftirash. D'autres, ils disent l'inverse. D'autres, mais dans le madhab al-maliki, je vous ai dit, il y a deux qawls. Soit tu fais comme ça, l'iftirash, simple, dans la deuxième. Et dans la dernière, tu fais l'iftirash. Soit dans toutes les rak'as, position assise, tu fais l'iftirash. D'accord ? Donc les deux sont valables, incha'Allah ta'ala. Et il faut savoir que cette position-là n'est bien sûr pas obligatoire, mais c'est une position recommandée. Donc, comme on a dit, cela concerne at-tawarruk, donc particulièrement lors de la dernière unité de prière. Alors, ceux qui ont du mal à faire cette position-là, eh bien, il y a une troisième position qui est acceptée et il y a des textes qui le rapportent. C'est le fait de laisser détendre le pied droit de sorte que le côté du pied, eh bien, soit en contact direct avec le sol. Et cette position est beaucoup plus facile pour ceux qui ont du mal à redresser le pied de manière verticale. Donc, ainsi. Et cela aussi relève de la sunna. Alors, quand on est assis, on va attendre un moment de pause et ensuite, on va refaire la deuxième prosternation. La prosternation se joue, c'est une obligation. Alors, après, on va se relever, Allahu Akbar, et on va refaire la même chose dans la deuxième raka. Et on va refaire la même chose pour le sujoud, la même chose quand on va s'asseoir, dans la deuxième unité de prière, la même chose quand on va se prosterner, et ensuite, on va s'asseoir pour faire le tashahhud. Alors, les deux tashahhud,
Le premier tashahhud et le dernier tashahhud. C'est quoi? Sunna, obligatoire ou mandoub? Sunna. Les deux tashahhud, sunna. Et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli, sunna. Vous avez compris? Ça veut dire que cela, c'est une sunna. Donc, on va faire le tashahhud. Le tashahhud, de quelle manière? On va prendre la main. On va prendre la main droite. On va prendre le pouce. D'accord? Et on va prendre le... C'est quoi ça? L'index. D'accord? Tous les autres doigts, on va les fermer. Alors, on va les poser sur la cuisse. Ça, c'est dans le madhhab Maliki. Là, il y a des textes qui rapportent que les mains doivent être ouvertes. Il n'y a pas de mal. Il y a des divergences qui sont tous tolérées. Dans le madhhab de l'imam Malik, rahmatullahi alayh, alors, on ferme tous les doigts. Alors, il y a une version où il est rapporté que, eh bien, on colle le pouce à l'index. On les colle comme ça. Sur le côté. Et l'index en direction de la qibla. Et on bouge doucement, pas la main. Comme ça. Ta prière chez certaines écoles, si tu fais comme ça, les bas, t'es là. Doucement, juste doucement. Je suis alik. L'aql. À droite, à gauche, comme ça, doucement. D'accord? Et certains disent que tu fais, et il y a des textes qui rapportent cela, une sorte de cercle avec le pouce. D'accord? Ainsi, comme cela, tu fais au lieu de le fermer le doigt, tu fais un cercle avec le pouce ici et le majeur. Et l'index, tu le bouges comme ça, sur le côté. Et ça, c'est les paroles qu'il y a dans le madhhab de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Et si quelqu'un le fait en position droite, il n'y a pas de mal, mais le mashhour, c'est ainsi. D'accord? De droite à gauche. Et ici, on doit faire at-tashahhud connu, at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu, as-salawatu lillah, as-salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, as-salamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ça, c'est la version qui a été choisie et rapportée par Omar ibn al-Khattab et choisie dans le madhhab de l'imam Malik comme étant la meilleure. Mais toutes les autres versions sont bonnes, hein? Et ensuite, il y a d'autres versions ici concernant plusieurs versions concernant la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est la première rak'a. On va considérer le premier tashahhud. On va considérer que je suis dans salat al-subh. J'ai terminé et je fais le taslim. On avait dit que dans le madhhab de l'imam Malik, c'est de faire une seule fois le taslim. En commençant de devant. Assalamu alaykum. C'est sur quoi était d'accord Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa an abi. Aïcha radiyallahu anha wa arda qui a dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier fi sahih et il a dit une seule fois assalamu alaykum et ce sur quoi était l'imam Malik et tous les savants à Médine et dans la mosquée du prophète alayhi salatu wa sallam à l'époque de l'imam Malik qui a pris la science de Nafi' qui lui-même a pris la science de Abdullah ibn Umar et du prophète alayhi salatu wa sallam et c'est sur quoi était Ata, c'est sur quoi était Al-Hassan al-Basri, c'est sur quoi était Al-Hassan al-Basri Ibn c'est pas sur cela. Ibn Sirin, c'était pas sur ça. Ibn Sirin, il était sur As-Sadl plutôt. Alors Ibn Sirin, vous savez c'est qui? C'est celui qui a dit cette science est une religion, regardez bien de qui vous prenez votre religion. Et certains jeunes utilisent beaucoup cette parole qui est une parole vraie et avant lui, l'imam Malik rahmatullahi alayhi l'a dit et ils disent oui voilà, attention mubtadi'in. Ibn Sirin qui a dit cette parole, tu savais que lui pour lui, il était pour le Sadl, il disait qu'il faut lâcher les mains. Tu dis, Ibn Sirin a dit, attention, cette science est une religion, regardez. Bah, Ibn Sirin, celui dont tu parles, lui, il a lâché les mains. D'accord. Amma, concernant le fait de faire une fois de taslim, Afwan, c'est Abdullah ibn Umar, Aisha radiyallahu anha wa ardaha, l'imam Malik, qui était sur cette version-là. D'accord. Donc, le fait de dire une seule fois, cela suffit. Et c'est la sunnah. Si on dit, assalamu alaykum wa rahmatullah, il n'y a pas de mal, mais le mieux de dire assalamu alaikum. Et celui qui veut dire ce que disent la majorité des autres écoles, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, il n'y a pas de mal aussi. Ici, inshallah ta'ala, il n'y a aucun problème. Wa lakin al-mashhur fil madhab, assalamu alaikum, une seule fois sur le côté droit. C'est clair? Alors, maintenant, il faut savoir qu'il y a des choses qui sont déconseillées qui annulent la prière. Qu'est-ce qui annule la prière? Alors, ce qui annule la prière, c'est par exemple la première des choses, les conditions qui ne sont pas réunies. D'accord? C'est une condition de validité de la prière qui n'est pas présente, la prière est nulle. Comme quelqu'un qui va prier sans ablution, quelqu'un qui va prier sans préserver sa awra,
cacher sa aura. Alors la aura, il y a la aura mughallada et mukhaffafa, on avait dit. Alors la aura grave, c'est quoi? C'est les parties génitales et les parties intimes, c'est tout. Ça veut dire que dans l'école de l'imam Malik, même si les cuisses se dévoilent sans faire exprès, ta prière, elle est toujours valide. D'accord? Le fait de prier volontairement sans être devant la qibla, ta prière, elle est nulle. D'accord? Ça annule la prière. Parmi les choses qui annulent la prière, le fait de parler, al-kalam, volontairement. Al-ulama, ils ont dit, même si tu dis ouf, pourquoi ouf? Si tu soupires, tu fais ouf. Mathalan, l'imam est tomboul. Il va tomboul. Ouf. Salatuka batila, عند المالكية. D'accord? Chez les malikites, elle est nulle. Pourquoi? Ils disent que ça, c'est un qawl. C'est une parole. Et toute parole volontaire, elle annule la prière. C'est un qawl, le fait de dire juste ouf. Allah Jalla wa'ala dit فَلَا تَقُلْ لَهُمَا ouf. Ne leur dis pas ouf. C'est considéré comme ici une parole. Donc le fait de dire ouf, ça annule la prière. Le fait de dire une parole sans faire exprès, t'as dit une petite parole, tu l'as pas fait volontairement, il n'y a pas de mal. Mais le fait de le faire amdan, volontairement, ouf, ou bien ay kalam, eh bien cela, ça rend la prière batila. Manger, amdan, le fait de manger quelque chose, ça rend la prière nulle aussi. Le fait de manger ou de boire quelque chose, ça rend la prière nulle. Le fait d'avoir quelque chose dans sa bouche ou de maintenir quelque chose, ça ne rend pas la prière nulle. Maintenant, il faut savoir que dans la prière, il y a des choses qui rendent la prière nulle et des choses qui ne rendent pas la prière nulle. Des choses qui font partie de la prière et des choses qui ne font pas partie de la prière. Alors, les choses qui ne font pas partie de la prière, je vous ai cité manger, boire, parler, faire bouger beaucoup. Alors, vous savez que dans le madhab de l'imam Shafi'i, il dit si tu fais plus de trois pas, ta prière elle est bâtée. Alors, le fait de vouloir combler des vides quelquefois en faisant 6 pas, 7 pas, non, c'est pas à faire. Un pas, 2 pas pour une raison, il n'y a pas de mal. Certains, pour rejoindre la sutra, quand la prière obligatoire est terminée, ils viennent, ils bougent partout dans la mosquée, une fois à droite, une fois à gauche, une fois devant, ils se promènent. C'est quoi ça? Même quelqu'un qui voit, il dit, prie ou pas? À partir du moment où tu vois quelqu'un faire des gestes, à tel point que tu te dis, ça, il ne prie pas, c'est pas possible, sa prière, elle est partie là. D'accord? Sachant que à sutra, c'est quoi à sutra? Ce que tu mets devant toi pour prier, pour éviter que les gens passent. Qui doivent être à une distance telle que si tu étais prosterné, un chat pouvait passer entre toi et la sutra. C'est quelque chose qui doit être haut d'une coudée, d'accord, pur, et devant toi, mais pas vraiment en face de toi. Tu dois être à l'extrémité droite de la sutra ou à l'extrémité gauche de la sutra, et ça c'est dans les 4 écoles juridiques, et ils ont utilisé le hadith d'Al-Miqdad bi sanadin sahih, où il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il priait en face d'une sutra, il se mettait jamais en face de la sutra. Soit à l'extrémité gauche, soit à l'extrémité droite de la sutra. La sutra, c'est une sunna, ça fait partie des quoi? Des obligations? Ça fait partie des mandoubettes. Maintenant, ici, si tu n'as pas de sutra et quelqu'un passe à une distance ou alors à un endroit qui, même si tu avais une sutra, il était passé au-delà de cela, ta prière elle est bonne et même la personne peut passer. Ok, si quelqu'un il est à 5 mètres de toi, tu n'as pas de sutra, il peut passer, il n'y a pas de souci. D'accord? Maintenant, ce qui fait partie de la prière, quelqu'un va rajouter une parole de la prière. Exemple, Sourate al-Fatiha, il va réciter 2 fois Sourate al-Fatiha. Sourate al-Fatiha, minas salah, ça fait partie de la prière. Est-ce que sa prière elle est batila? S'il rajoute une prière, une chose involontairement, il n'y a pas de mal. S'il le fait volontairement, عند المالكية, il a récité 2 fois Sourate al-Fatiha, volontairement, involontairement, à fois, il doit faire sujoud al-Sahw. بعد السلام, parce qu'il a rajouté une chose. أما الأفعال, quelqu'un va rajouter un ركوع volontairement عمدًا. Il dit moi je fais un ركوع, je me lève, je refais un ركوع. صلاته باطلة. Sa prière elle est nulle. S'il s'est trompé et il n'a pas fait exprès, ça c'est autre chose. Mais s'il l'a fait volontairement, sa prière elle est nulle. D'accord? Maintenant les choses macro aussi dans la prière. Eh bien c'est par exemple celui qui a des cheveux longs et qui va attacher ses cheveux. Il est makrouh عند المالكة ou عند الجمهور d'attacher ses cheveux. Il faut qu'il relâche ses cheveux quand il fait la prière. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais ça c'est la théorie. Moi j'ai voulu vous résumer la pratique comme le prophète alayhi salatu wasalam priait selon la compréhension d'une école juridique. Pour pas dire qu'il n'y a que cette prière que le prophète priait, et si quelqu'un a fait la prière d'une autre manière, il est dans la bid'a. Le prophète a prié comme ça, il a prié comme ça aussi. D'accord? On a cité quelques divergences qui nous rappellent du takbiratul ihram jusque at-taslim
qu'est-ce qui était obligatoire, qu'est-ce qui faisait partie des, ce qui fait partie des sunan, et qu'est-ce qui fait partie des mandoubat. Alors j'ai sûrement oublié des choses et je vais m'en mordre les doigts par la suite, mais on verra ça dans les détails, dans les cours théoriques. Est-ce que vous pensez que j'ai oublié quelque chose ou s'il y a des questions? J'ai vu le rukou', on a vu le sujoud, on a vu le taslim, on a vu le tashahhud. On a rappelé que le tashahhud, un petit examen, les deux tashahhud, ils sont obligatoires ou pas? Ça fait partie des sunan, même pas des mandoubat, pas des wajibat, ou bien des arkan, mais des sunan. Jalsatul istiraha, dans le madhab al-Maliki, il n'y a pas de jalsatul istiraha. Sauf pour la personne qui a une difficulté quelconque. Entre les deux, c'est-à-dire à raka'a, avant de se lever, eh bien, il s'assoit un moment et il se relève. Non, il se relève directement. D'accord ? هذا هو والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين.